Le rubis, c'est l'idée révolutionnaire. Et la mine, c'est les idées à la con. Bon. Si vous voulez trouver un rubis sans mettre les mains dans les cailloux, faut aller chez le bijoutier. Mais c'est pas vous qui allez gagner de l'argent là-dessus, c'est lui. Hein. Celui qui gagne de l'argent sur les rubis, c'est celui qui va les chercher quand il ressemble à des cailloux. C'est là que la marche se fait, en fait. Et quand il le sort du caillou et qu'il le taille et qu'il le met sur un petit coussin de satin brodé, ah, là, la valeur, elle a vachement augmenté. Et les révolutions, c'est pareil. Apporter une révolution au monde, ça nécessite d'aller la chercher quand elle est indiscernable des autres idées à la con. Alors évidemment, tout caillou ne contient pas un rubis, c'est certain. Et toute idée à la con ne contient pas une révolution non plus. Mais vous ne verrez jamais, vous ne trouverez jamais un rubis ailleurs que dans un caillou. Et vous ne trouverez jamais une révolution ailleurs que dans des idées qui ont l'air débiles à leur époque.